Tous les samedis, France 3 diffusera une adaptation télé du le célèbre jeu de culture générale de France Inter. La première aura lieu ce samedi 9 septembre. Un pari osé. Diffusé pour la première fois le 19 avril 1958, l'actuel jeu des 1000 euros est le plus ancien jeu radiophonique de France. Devenu un incontournable grâce aux nombreuses figures de la télé et de la radio qui s'y sont succédées, comme Albert Reisner, Lucien Jeunesse ou Louis Boson, il continue aujourd'hui à faire mouche sur France Inter, réunissant près de 1,6 million d'auditeurs du lundi au vendredi à 12h45, ce qui en fait le programme le plus écouté à cet horaire-là. À son lancement, le jeu s'appelait 100 000 francs par jour. Depuis, bien sûr, il a plusieurs fois changé d'appellation pour prendre son nom actuel à partir de 2001, lors du passage à l'euro. Son principe est tout simple, son animateur sillonne la France et interroge des candidats sélectionnés parmi le public sur des questions imaginées par les auditeurs eux-mêmes. Cette fameuse interactivité est la clé d'un succès qui ne démentira plus. Le jeu des 1000 euros adapté à la télévision, un élément culte a dû être modifié par la production transposée cette recette gagnante sur petit écran relevait du défi. Nicolas Soufflet qui anime le jeu des 1000 euros depuis 2008 sur France Inter s'est vu confirmé à son poste, mais en binôme avec l'animatrice Karine Tessandier. France 3 a peaufiné son projet pendant plus d'un an pour donner du souffle à cette version qui ne sera pas itinérante, mais tournée dans un studio de la région parisienne. Filmer deux personnes avec un micro et un animateur avec un casque sur les oreilles n'est pas intéressant. Nous essayons donc de prendre l'esprit de cette émission et ce qui en fait la saveur pour l'adapter, nous a confié Nicolas Soufflet, lorsque nous l'avons croisé au mois de juillet sur le tournage. Par exemple, les questions définies par des couleurs, bleu, blanc et rouge, et au niveau de difficulté croissant ont été conservées. En revanche, il a fallu légèrement transformer le son du fameux métallophone, cet instrument de musique qui égrène de façon presque infernale les 30 secondes de réflexion auxquelles ont droit les candidats. Il a été jugé trop sec pour la télévision. Le jeu des 1000 euros, les règles du jeu changées pour l'adaptation télévisée, il est également apparu nécessaire de transformer certaines règles du jeu. Alors qu'il n'y a qu'une manche à la radio, la version télé propose une manche éliminatoire et une deuxième partie lors de laquelle le binôme qualifié affronte celui des champions. Afin de rappeler la version radio, le vainqueur de ce duel peut tenter le banco et s'il réussit, le super banco qui lui permet de remporter 1000 euros.